من نصر واحدة فخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Et toi, je viens de toi, Allah. Nous le devons, nous demandons son aide. Nous le venons à lui. Nous cherchons refuge pour faire le bien contre les mal de nos âmes et contre les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qui a la guidée, et nul ne peut guider celui qui a la égarée. Le témoin de ce Allah mérite d'être adoré sans associé, et ce témoin de Mohammed. Et son serviteur et son message. Car la paix sur lui et le salut, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, que Dieu nous apporte la rectitude dans nos comportements et fasse que nous soyons des modèles, qu'il nous guide, qu'il nous garde sur la voie de la droiture et sur jusqu'au jour de la rétribution, jour que par sa miséricorde, qu'il nous apportera son paradis. Mes frères et sœurs, en islam, que j'aime bien Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans les riches enseignements du Luqman le sage. Nous aimons à le dire, Luqman a enseigné à son fils. En réalité, nous sommes tous les enfants de Luqman. Ces enseignements nous sont individuellement adressés. Notre rôle est double, appliquer ces enseignements et être des Luqman pour les reproduire dans nos familles et nos entourages. Sur la personne de Luqman, mes frères et sœurs, il faut dire que c'est un homme de grande vertu qui a vécu avant l'époque du professeur Al-Hassan. Allah l'a mentionné dans le Coran et cela prouve à souhait que le Coran est un livre qui est venu avec le messager qu'il a reçu en révélation pour parfaire les nouveaux caractères. Ibn Kassir, dans son tafsir, a dit « Luqman, c'était un homme vertueux. » Multipliant les actes d'adoration, s'exprimant avec une grande éloquence et dont la sagesse est considérable. Donc, il explique d'après Ibn Yahir qu'un jour, la personne avec qui Luqman travaillait, son patron, lui dit « Égorge-nous cette brebis et apporte-nous-en les deux excellents bouchers. Apporte-nous-en les deux excellents bouchers. » Il égorgeait là. Et donna à son patron la langue et le cœur. Puis un autre jour, longtemps après, il lui ordonna d'égorger une autre brebis et de lui donner les deux organes les plus méprisés. Il lui apporta aussi le cœur et la langue. Le patron s'irrita et lui dit, « Je t'ai ordonné de m'apporter les deux organes les plus excellents et les deux organes les plus méprisés. Tu m'as apporté la langue et le cœur. » Et à Luqman lui répond, rien n'est plus excellent que le cœur et la langue s'ils sont bons. Rien n'est plus excellent que le cœur et la langue s'ils sont bons. Et rien n'est plus odieux que ces deux s'ils sont mauvais. Que Dieu nous préserve du mauvais cœur et de mauvaise langue. C'est cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré par le don de la sagesse. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui conseille quoi? Sois reconnaissant envers Allah, et quiconque est reconnaissant, n'est reconnaissant pour soi-même, que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. D'ailleurs, je vous invite à méditer sur un discours-ci dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Il dit aux mes serviteurs, si l'ensemble des hommes, si l'ensemble des hommes et des djinns, du premier au dernier d'entre vous, avaient le cœur aussi bon que le meilleur homme parmi vous, cela n'en matériel, pas malheureux, en quoi que ce soit. Mon serviteur, si l'ensemble des hommes et des djinns avaient le cœur aussi mauvais que le pire homme parmi vous, cela ne diminuerait pas en rien malheureux, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala le service possible. Dans un autre verset, Allah nous explique que quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même et quiconque s'égare ne s'égare à son propre détriment. Et nous avons dans les enseignements de Luqman, mes frères et sœurs, la clé du succès dans cette vie ici-bas ainsi que dans la vie du jour au
dernier. Là-bas, de son enseignement, repose sur la charrette du cheminement. Nul ne peut se rapprocher de Dieu sans avoir planté la graine de la foi. C'est ainsi qu'il donna son premier conseil à son fils quand il dit, il nous donna ce conseil. Il nous donne le sens, celui de ne pas associer Dieu à d'autres croyances. Pour être libre, mon frère, ma soeur, libère-toi du polythéisme. Libère-toi des croyances futiles. Libère-toi des voies sans issue. Et elles sont nombreuses sur notre chemin. Le culte de soi, le culte de l'argent, le culte du divertissement, surtout pour notre génération, surnommée génération tête baissée, 48 heures sur 24 sur Facebook et WhatsApp, de beurre en beurre, d'imagination en imagination. Notre société actuelle, qui est celle du spectacle, a érigé comme modèle des personnalités qui nous lient le plus souvent à des choses éphémères. Et cette première recommandation fonde tout le reste. Il enseigne à nos enfants et à nous-mêmes de rester attachés et fidèles à l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit en effet au mon fils, « Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, c'est l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Cette fidélité sera retranscrite dans le deuxième conseil, en recommandant la gratitude à l'égard des parents, en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lien nourrit l'amour et la miséricorde dans nos cœurs. Comment comprendre la miséricorde de Dieu sans ressentir la miséricorde de nos parents, en particulier celle de notre mère? Sans ressentir donc cette miséricorde, comment nous pouvons ressentir celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté, subissant pour lui père sur père. Il continue en disant, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les droits des parents dans le même verset. Donc traiter gentiment les parents, les honorer, les respecter et faire preuve de reconnaissance à leur endroit. Notre première allégeance, mes frères et sœurs, est Allah subhanahu wa ta'ala seul, suivi par la dévotion et la gentillesse envers nos parents. Le plus souvent, on en parle, vraiment, sans vraiment réaliser une vraie introspection sur le sujet. Chacun de nous, à cette instant, est invité à méditer sur sa relation avec ses parents, qu'ils soient vivants ou pas. Et quelle que soit la qualité de cette relation, nous devons travailler à l'améliorer, à la parfaire davantage. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères, soit que l'un d'eux atteint la vieillesse, ou que tous deux y soient parvenus, étant à ta charge, garde-toi de marquer la moindre répulsion à leur égard, et pour de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement, fais preuve à leur égard d'humilité. Pour leur témoigner ta tendresse et dis, Seigneur, aie pitié d'eux, comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élevaient tout petit. Nous devons donc appliquer ce verset et préparer également nos enfants à cette prédisposition. Ô mon cher fils, fiche le poids d'un grain de moutarde
au fond des rochers, ou dans les cieux, ou dans la terre, Dieu le fera venir. Dieu est infiniment doux et parfaitement connaisseur, dit Lukman à son fils. Il lui enseigne ici, il nous enseigne à l'islam, l'art de sentir Dieu, à tout moment et à tout endroit. Agir avec la conscience de la présence divine. Adorer Dieu comme si on le voyait, car certes, même si nous ne le voyons pas, lui nous voit. Et Lukman aborde le bel agir dans la société. Oh mon enfant, accomplis la salat. Commande le convenable et interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Accomplis la salat. Priez, c'est établir un lien et une connexion avec Dieu, l'unique. La prière est notre façon de nous connecter et de maintenir une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par ses oreilles fixes, la prière nous rappelle pourquoi nous sommes là. De plus, elle nous aide à détourner nos pensées et actions loin du péché et à nous souvenir incessamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec les coupures d'Internet mobile que nous avons connues dans notre pays, nous avons goûté un tant soit peu à l'absence de connexion. Certains d'entre nous ont perdu toute lucidité et tout sens de discernement à cause de cette coupure d'Internet mobile. Nous devons comprendre donc que l'absence de connexion à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le délaissement de la prière est de l'ordre de l'inimaginable. Commande le convenable, interdit le blâmable. L'accomplissement de la salat doit se compléter par le bel agir envers autrui. Agir avec les autres dans la finesse de caractère, par l'humilité, l'attention aux autres et la modestie. En jeune de bien interdire le blâmable est une responsabilité qui incombe à chaque croyant, qu'il s'agisse des responsables ou des fidèles, des hommes ou des femmes, chacun selon ses capacités. Endure ce qui t'arrive avec patience. Lukman recommande ici de faire preuve de patience. En traitant les gens à cette fin et en toutes choses, le professeur Hassan nous dit dans un indice, celui qui persévère, Allah lui donne la patience, et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience apportée par Bukhari. Dieu est celui qui ne précipite rien, aucune décision, aucune action. Il accorde un délai aux pécheurs jusqu'au jour des pommes et retarde même sa punition et permet de repentir. Il est ferme et immuable et agit sans hâte selon sa science. Or, comment justifier de la patience divine envers nous si nous ne sommes pas capables de faire preuve de patience et d'endurance? Pour s'élever dans la voie de Dieu, mes frères et sœurs, Lukman nous invite à baisser la voix, à faire preuve d'humilité. Et ne détourne pas ton visage des hommes. Et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorion. Sois modeste à ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée, c'est bien la voix des âmes. C'est bien le manque d'humilité de Satan, qui a non seulement entraîné son expulsion du paradis, mais également l'a condamné ainsi que ses disciples à l'enfer. Lukman conseille à son fils de marcher doucement, sans surtout faire beaucoup de bruit. Il exhorte à la patience, à l'humilité qui devrait être le comportement d'une personne. Être patient, être humble, c'est le comportement par défaut que nous devons observer en tant que croyants. Les croyants devraient être connus par leur humilité, leur douceur et leur bonté. Enfin, Lukman conseille de baisser la voix. Cela veut dire de parler avec douceur, modestie et humilité, certes, mais surtout de parler utile, de dire bien ou de se taire. Que Dieu nous apporte la sagesse de Lukman et que nous suivons ses commandements. Frères et sœurs de la foi, nous allons terminer par une parenthèse sur notre mosquée, le Centre culturel islamique de l'AMP, la mosquée dans laquelle nous sommes actuellement. Comme vous le savez, il y a un comité qui est chargé de collecter vos contributions. Vos contributions de suivre les travaux de construction. Aucun d'entre nous ne mesure réellement le bénéfice de sa participation à cette mosquée. C'est sûr que le jour du jugement dernier, quand il nous sera présenté individuellement le bénéfice de notre contribution dans cette mosquée, nous allons regretter de n'avoir pas fait plus
que les frères et sœurs contribuent avec diverses intentions. D'autres le font en prière pour leurs jeunes parents, d'autres le font pour amasser le plus de hasanat. Quelle que soit votre intention, Dieu saura l'exaucer. Les travaux au niveau des salles de prière ont repris. Ceux qui sont actuellement au R+2 constatent qu'il y a des jolis carreaux posés sur le mur. D'ici vendredi prochain, le staff, le plafond va débuter au niveau de RDC, dans la salle dans laquelle nous sommes actuellement. C'est le lieu de vous inviter à faire des droits pour toutes les personnes qui ont contribué depuis l'histoire de ce chantier à ce jour. Et faire des droits particulièrement, permettez-moi que je mette l'accent pour cette sœur qui, il y a 4 semaines, 4 vendredis de cela, nous a fait parvenir une contribution de 30 millions de nos francs CFA. Il va permettre donc de commencer les finitions du RDC. Prions pour eux, prions pour eux tous, prions pour la suite et apportons en plus de nos prières, nos contributions. Chacun peut faire son plan de contribution. Si je peux apporter chaque vendredi 100 francs ou 200, je peux le faire et je le fais de façon continue. Si je peux apporter des milliers, des millions, c'est ma responsabilité de le faire et Dieu ne m'a pas donné cette possibilité pour rien. Ensemble, nous ferons en sorte qu'après le RDC et le R+2, les travaux de finition se poursuivent au R+3, R+4, R+5 et au niveau technique sur le toit. Dieu nous accorde à tous satisfaction et ramène la paix au Burkina Faso. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.